Hey, we're gonna head back. Yeah, me too. Together. Always. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Hmm? Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Hearts Final Mix HD, pas du tout, c'est Kingdom Hearts Bird by Sleep. J'ai tellement l'habitude de dire Kingdom Hearts 2, bref, tout ce que j'ai d'habitude, donc là, faut que je m'habitue. Donc, dans ce Kingdom Hearts, bien entendu, on peut choisir entre trois aventures, celle de Terra, celle de Ventus ou celle de Aqua. Alors, la suite logique, c'est de commencer par Terra, ensuite Ventus, ensuite Aqua, pour le bon déroulement du scénario. Donc on va faire ça comme ça, et oui. Allez, c'est parti. Incarner Terra, oui. Je le veux. Et c'est parti, donc nous allons suivre les aventures de Terra. Et ensuite, on fera Ventus, et après Aqua. Je l'ai déjà dit, mais au cas où vous n'avez pas compris, j'en fais pas qu'une, voilà, c'est tout. Et vous allez voir, ça va être... EPIC! Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin. Me. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He can take care of himself.
He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Van. Oui, concentrons-nous. Mais tout d'abord, j'ai pensé à moi. Parce que je suis Terra, je suis le BG de l'équipe. Alors, il est temps que je montre mon skill. Donc là, on joue plus Ben. Terra, hein. Au cas où vous n'avez pas compris, je préfère vous le redire. C'est parti ! Bon, ça ! Alors, faut que je me rhabite un petit peu, ça fait un petit moment. Ah, j'ai fait l'autre épisode. C'est parti ! Je ne me laisserai pas faire. Viens ici. Estoc magie. Attends, j'ai dit Estoc. Yeah. Maintenant c'est un coup rapide éclair. Et oui. C'est ça le skill. Ok. Bra. Ouais, mais il fait mal. Alors j'ai jamais eu de game over ici. Ce serait drôle de le faire maintenant. Je vous avouerai que ce serait assez ridicule, mais possible. C'est possible, je peux y arriver. Rien n'est impossible. Boum. Par contre, ils font que de bouger, c'est trop agaçant. Voilà. Coup de grâce. Le coup grâce. Ok, ok. C'est pour moi. C'est pour moi. Ok, il veut pas. Ok. Voilà. Ah, et HP max augmenté et j'ai appris impact critique. Mais oui. C'est comme ça que font les pros. Je vous apprendrai un jour. Oh mon dieu! Changez de style de combat. Si vous remplissez la jauge de commande en utilisant des commandes avec triangle, vous changerez parfois de style de commande. Ok, le style de commande que vous activez dépend du nombre et du type de commande utilisée. Est-ce clair? Non? Vous comprendrez à force de... That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin! We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta brick that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Sorry. But I need some time alone. Oh, l'échec, on s'est fait battre par une fille. C'est insupportable. Macho? Non. There's darkness within me. So what does that matter? I know I'm strong enough to hold it back. Yes. You
are indeed strong. The darkness has nothing to fear. Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still, you'd never be a master in his eyes. But why? Help me understand, Master Xehanort. What is it that I failed to learn? You're fine as you are. Darkness cannot be destroyed. It can only be channeled. Yes. Thank you, Master. Mais que se passe-t-il ? Je pense que ce moment était très utile, hein. Il fallait que je parle. What happened? I don't know. Why isn't Ven here? Very well then. I will send my pupils to investigate. Yes, I understand. Farewell. That was my dear old friend Yen Sid. As you know, he is master no more, but he still keeps a close eye on the tides of light and darkness. His counsel serves as signposts on the road we wielders of the Keyblade must walk. All the more reason then for concern. For he tells me the princesses of heart are in danger. Not only from the forces of darkness, as you may assume, but also from a new threat. One that feeds on negativity. Fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unversed. As wielders of the Keyblade, you are tasked with striking down any who would upset the balance of light and darkness. The Unversed are no exception. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort is gone? So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed. And find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. The darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go. Fulfill your duty. Yes, Master. Terra, consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know. I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you Master in a second. But how can I? When you are so obsessed with power. Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power, and obsession beckons the darkness. You must never forget. Thank you, Master. I swear, I will not fail you again. Bien sûr, le côté obscur de la force. C'est pareil, Star Wars Kingdom Hearts, c'est le même combat. Terra ! It's okay. Thank you.
Eh dis donc, ça on nous l'a pas dit. On nous a pas dit que c'était possible d'utiliser notre Keyblade comme vaisseau. C'est pas juste. Nous on se bat dans le vaisseau Gumi. Ok. Quand un lien D est établi avec quelqu'un, vous accédez à ses commandes. Appuyez sur la flèche vers la gauche, droite, pour afficher la liste des liens D. La jauge des liens D diminue tant que le lien reste établi. Une fois que cette jauge est vide, le lien D est brisé. Établir un lien D régénère tous vos HP. Remplissez de nouveau la jauge en récupérant des cristaux de lien D. Vaincre des ennemis lorsqu'un lien D est établi leur fait parfois abandonner des symboles. Récupérez ces symboles pour améliorer le lien D établi. Lien D avec Akue. Événement du coup, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Ok, donc vous avez compris, hein, en fait, on attaque. C'est plus des sans-cœurs les ennemis. Bah, c'est pas des sans-cœurs les ennemis, c'est des Nessians. Totalement différent. Allez voir dans Wiki pour savoir ce que c'est. Chasse aux commandes débloquées. Oui. Ah, enfin, on va pouvoir voyager. Il nous reste 10 minutes d'épisode. Comme je peux le voir sur mon timer. Un peu plus d'ailleurs. Oui, je suis sur une moto. Wouh, wouh. Donc tout ce qui est intro est terminé maintenant. On va pouvoir enfin jouer. Donc vous voyez les mondes. Là, c'est le monde de je ne sais quoi. Là, je sais, mais je ne vous le dirai pas. Et là aussi, je sais, mais je ne vous le dirai point. Allez, c'est parti. Donc vous avez compris, hein, les princesses de cœur ont l'air un petit peu en danger. Princesses de cœur, hein, vous savez ce que c'est si vous avez suivi le premier épisode de Kingdom Hearts. Et donc, voilà, allons-y. Et donc, on va essayer de voir pourquoi elles sont menacées. Et par qui? Est-ce à cause de Xehanort? On ne sait pas. Mais le maître a des doutes. Bon, Xehanort est quand même louche, hein, il a une tronche de méchant. Monsters. The ones the master mentioned. These are the unversed. Ok. Donc les Nessians, vous voyez, ça ressemble un petit peu à des sans-cœurs, sauf qu'ils sont violets. Ils ont pas la même tête, ils ont la tête pointue en forme de triangle. Donc on va les détruire. Battez-vous, battez tous les Nessians. C'est parti. Go. Oh là, 2 ans pour comprendre qu'il faut le faire. Ah, c'est parti. Par contre, ne m'embêtez pas. Est-ce que je peux ouvrir les trucs en combat? Oui. Alors je sais quoi le bouton parce que d'habitude c'est triangle. C'est très agaçant de passer de Kingdom Hearts 2 à Kingdom Hearts Birth by Sleep. On passe d'un... voilà quoi, vous avez compris. Parce que les spin-offs de Kingdom Hearts quand même sont bien différents au niveau système de combat. Comme l'était... Chain of Memory avec les cartes et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, vous allez voir, normalement c'est pas super compliqué, sauf que faut s'habituer à appuyer sur triangle pour faire les attaques spéciales. Et pouvoir toucher les personnages, parce que j'aimerais bien te toucher. Ok. Oui, on a gagné. Le lien D. Lien D avec Ventus. On va voir ce que c'est du coup, comme ça on va savoir. Attaque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chargement infini, non? Prends ça. Ok, j'ai les attaques de Ventus. En fait c'est ça je crois, non? Rafale du vent. Wouhou. Et voilà. Mon dieu. Vous croyez que je vais me laisser faire, c'est ça? Détrompez-vous. Je suis Bianco Deckshop. Hey, ils sont verts. Je n'avais jamais vu des verts. Je pense que c'est aussi peut-être une nouveauté par rapport au Final Mix. Parce que je trouve que c'est un Final Mix. Je me rappelle plus trop, mais je crois que oui. Parce qu'il y avait aussi une version de Final Mix pour Birth by Sleep, je pense. J'ai pas vérifié, pour vous dire la vérité. Je vous le dirai dans le 3ème épisode, quand je verrai le titre. Parce que là, j'ai pas la boîte devant moi. Et donc, je vais essayer de voir. Si c'est l'épisode Final Mix, il y aura peut-être des trucs en plus que je n'aurais pas vu. Comme souvent, en fait, depuis le début du Let's Play de la série Kingdom Hearts.
Et j'ai hâte de voir le 3. J'espère qu'à le 3, on va voir le 3. Ah, hey, c'est drôle, MDR. Hashtag, je fais des rimes. Sans faire exprès. Avec le 3 et Kingdom Hearts 3. Je me fatigue. No, you don't. Mais transforme ta Keyblade en vaisseau et poursuis-le au lieu de partir à pied. Je te jure. Go. Alors attendez, un score. J'ai pris un coffre. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, vu qu'on va, on va quand même le suivre parce que c'est le scénario. Mais voilà. Je sais pas vraiment. Si je devais aller ailleurs. Oh, les couronnes. Est-ce que je refais une fixette sur les couronnes comme on a fait sur Kingdom Hearts 2 qui finalement n'a rien donné, hein, par des espèces de puzzle. Bon, j'ai fait ça hors caméra, mais bon, écoutez, on va la prendre quand même. Wouh! Sticker ballon. Ah non, c'est des stickers. Et ici, c'est un point de sauvegarde. Sauvegardons-nous? Non. Pourquoi? Car le skill est en moi. Et vous allez vite le remarquer. Le domaine enchanté. What's this? Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent. As all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Now why would I give a thought to creatures so base, so inconsequential? Well, they are base. That's for sure. Anyway. I'm looking for someone. Ever heard of a man named Xehanort? That name is not familiar to me. Is he an outsider like yourself? Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There, the entrance is past the bridge. Thanks. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Ok, bon c'est parti. Et dans les naissants là, vous êtes bien gentils mais au bout d'un moment, vous allez vous calmer, bande de petits calopins. Wouhou! Petit coup de grâce magique, et bien sûr je peux utiliser ça, pour te faire du mal. Eh oh! J'ai dit, utiliser ça pour te faire du mal, voilà. Waouh, ne t'énerve pas. Voilà, bah c'est fini de toute façon, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Déferlement! Je sais plus ce que c'est que machin impact, je sais pas quoi. Ça me rend plus puissant, mais ça. Wouh! Oh, d'accord, oui, à force. Ok, méga combo, et s'il y avait du monde, ça aurait été giga. Mais. Ça n'y est pas. Ça été, ce serait giga, oui. Ça se décide tellement plus depuis les années 90. Je sais même pas si c'est en 90 on disait ça. Wouh! Bon, allez, on va peut-être pas non plus. Parce qu'il faut quand même que je tue des gens. Hein. Enfin, faut que je détruise. Les nations. C'est pas des vraies personnes, c'est pour ça que je peux les détruire. Ce sont des choses qui... voilà, bref. Bon, c'est bon, hein, je pense qu'on va arrêter de vous attaquer en non-stop. Parce qu'ils spawnent à l'infini.
Il faut faire avancer un peu le schmilblick. Va-t-il falloir que je vole? Mais laissez-moi tranquille. Bon, ils ressemblent quand même beaucoup au sans-cœur, hein, ces petits nations. Et oh! Ça suffit! Ça suffit! Et... Mais, le gros, là. Tiens, tu te calmes, tu te calmes! Voilà, il y a une petite potion. C'est qui? Elle est pour qui, la potion? Bah, elle est pour moi! Boum! Je suis très énervé! Regardez comme je suis énervé! Ok, encore! Vous allez mourir! Prends ça! Say goodbye! Il a dit. Dis au revoir. Oui. J'ai appris l'anglais. On dirait qu'il avait froid. Vous êtes bien aimable de mourir. Bah, enfin, de disparaître. Je suis sûr que vous ne vivez pas vraiment. Un petit peu comme les Simini. Vous n'avez pas de cœur, donc vous ne ressentez rien. Enfin, ça dépend. Bon, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas à vous attaquer en non-stop. Hein. Moi, je veux faire avancer un petit peu l'aventure comme je faisais déjà dans Kingdom Hearts 2. Qu'on perde pas trop de temps avec tout ce bazar. Je ferai de leveling hors caméra. Je ferai pas la même erreur que dans Kingdom Hearts 2. Continuez comme ça. Parce qu'après, vous avez vu quand même comment j'étais super fort pour tuer le boss et le reste. Donc, je vais faire la même chose. Hein. Je levelerai. Ça, vous pouvez compter sur moi. Mais comme je sais plus s'il y a un boss ou quoi, après, je préfère quand même en tuer quelques-uns. Tu serais bien gentil de mourir quand même, hein, parce que j'aimerais... Ouais, tout en aille. Je récupère un peu les munis, je pense que oui, je vais sûrement en avoir besoin. Je me rappelle plus vraiment s'il y a des choses à acheter ou pas. Waouh! Hop là. Ah, un peu d'éther. D'éther. Pas toujours du bien. Je te détruis quand même un petit peu pour qu'il se passe quelque chose et que je te détruise un bonne fois pour toutes. Voilà, merci beaucoup. C'est parti. Non, bah c'est bon, vous êtes gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? Un maléfice magique. This feels so familiar. Her heart is filled with light, not the slightest touch of darkness. Just the kind of heart I need. For what? Imagine with me the most glorious of futures. Seven of the purest hearts, each overflowing with light. When brought together, they grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold. The Keyblade, is it called? Where did you learn that name? That trinket is the only way to obtain the hearts. No more games! Where is Master Xehanort? Impudence will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. I don't know what you're talking about. Perhaps not yet. But I have power over sleep. And I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. Remember that darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart.
Here it is. Just what I've waited for. To think that all he spoke of was and will be true. What? How did I... What did I do? What did you do? You speak as if I pulled some invisible strings. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this? Finn! Yes. Now, you want to know where Xehanort went. Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect 6 more hearts of pure light. Then we will rule all the world together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. For a peacekeeper, you're off to an exceptionally poor start. Remember this. The darkness in your heart cannot be held back by force or strength. Now, my work here is done, as is yours. Wasn't there someone you needed to chase? The Unburst. They're gonna bring down the castle. I have to do something. Oh mon dieu, on s'est fait manipuler par Maléfique et a servi des ténèbres qu'on avait dans le cœur pour prendre le cœur justement d'Aurore, la princesse Aurore. C'est infernal, comment allons-nous faire pour la sauver? Eh bien, avant de sauver le château, nous allons récupérer la carte. Ah, chacun ses priorités. Alors l'un shop, on va regarder quand même ce qu'il y a dans le shop. Donc vous avez compris, hein, Maléfique quand même a le projet de récupérer les cœurs des princesses de cœur depuis un moment, semble-t-il. Donc ici en fait on peut récupérer les attaques. En fait on peut acheter des attaques différentes. Vous voyez. Et donc et à force, je pense qu'on a plus on va avancer dans l'histoire et plus il y aura des attaques un peu plus badass, je pense. Je le pense, je ne suis pas sûr. Mais je pense. Donc ok, donc pour l'instant on va rien acheter parce qu'on a eu pas beaucoup d'argent. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour la suite de Kingdom Earth Barbary Sleep. Ah, Final Mix, je pense. Hein. Oui, je pense qu'il est Final Mix. Allez, Final Mix. Et en HD. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Et on va sûrement récupérer le cœur d'Aurore, du moins je l'espère. Allez, des bisous. Ciao.